Il voulait partir au Canada avec Fadoula, son vœu le plus cher qu'il n'a pas pu exaucer. Son vœu le plus cher qu'il n'a pas pu exaucer. C'est pour ça que mes rêves sont une réalité. C'est pour ça que mes rêves sont une réalité. De toute façon, la justice, si je mène tout le monde par les couilles d'une manière ou d'une autre. Mon frère, en plus ce connard, mon frère adoptif, a donné mon IA et mon organisation à but non lucratif à l'époque, sans déconner, a donné à soi-disant Sarkozy. Mais croyez que quoi, c'était même pas moi, tout ça par jalousie, en plus j'ai carotté 6 milliards de dollars d'histoire de Kadhafi, 6 milliards de dollars d'histoire de Kadhafi. Tout ça pour Inia et pour la jalousie. Tout ça pour Inia et pour la jalousie qu'il avait envers moi. Il voulait partir au Canada avec Fadoula. Il voulait partir au Canada avec Fadoula. Il voulait partir au Canada avec Fadoula. Ah. Il voulait partir au Canada avec Fadoula, yeah. Parce que je comprendrais, ouais, jamais ces gens-là voient jusqu'à ériger le mur de leur foi de damné. Au fond, on n'a jeté pas les actes qu'on fait, cette fois-ci c'est clair. Nous voici un enfer de 2000 ans de conneries. Dans son Jésus-Christ est vécu sur nos croix. À tous les croyants, son père et ses bons charpentiers qui l'a coulé sur nos croix. C'est un dé, monsieur le petit curé. Il voulait partir au Canada avec Fadoula. Il voulait partir au Canada avec Fadoula. Yeah! Parce qu'il voulait partir au Canada avec Fadoula, son vœu le plus cher qu'il n'a pas pu exaucer. C'est pour ça que mes rêves sont une réalité, la triste réalité. On se demande où il faut en arriver. Et monsieur D, comme le DL de tombe sur la tête, et le DL aussi. Qu'est-ce qu'il te reste à faire, monsieur le curé, à te soigner. Parce qu'il voulait partir au Canada avec Fadoula, son vœu le plus cher qu'il n'a pas pu exaucer. Je comprendrai, ouais, jamais ces gens-là, ils dirigent des millions de leur foi de damné. Parce qu'il voulait partir au Canada avec Fadoula. Ouais, il voulait partir au Canada avec Fadoula, son rêve le plus cher qu'il n'a pas pu exaucer. Il est parti malheureusement, qu'il repose en paix, vu ce qui s'est passé. Hey, Monsieur D, la seule famille que j'avais, je l'ai perdu il y a 6 ans, et je vis toujours là où il est décédé. En tout cas, c'est le plus cher, j'ai au moins respecté, contrairement à certains qui voulaient pas les respecter. Ils en avaient rien à branler, tout ce qu'ils ont pensé, c'est un pognon qu'ils pouvaient ramasser.